Minute People de Mélanie. C'est la Minute People de Mélanie. Salut les têtes de gland, salut les têtes. Merde-toi. Alors, bon, mon Dieu, dis donc, j'ai vu qui, oh là là, mon Dieu, j'ai vu qui, je me rappelle même. Démerde-toi. Je ne sais plus qui, ah si, ça y est, il est là, il est beau, il est, c'est une lettre son nom, il s'appelle M, j'ai kiffé avec lui, c'est super, on s'est vu quand ce week-end, on a bu, on s'est pété la gueule tous les deux, on s'est fait des lettres, des M un peu partout, c'était trop fort, il m'a joué de la guitare, il m'a mis la guitare dans le cul, oh là là, dis donc, j'ai kiffé quand il a tiré, je suis parti avec. Oui, merci. Car sachez-le quand même, Jeff, tous les soirs me demande « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour que je fasse l'introduction de ta minute poupoule ?» De quoi? Donc, mais il y a toujours du vrai, mais il y a aussi souvent beaucoup de faux. Bah, c'est pas moi qui fais. Merci Jeff, t'es le meilleur. Oui, t'es aussi complètement cinglé. Allez, on commence avec les news en vrac. Justin Bieber vient de confier que sa mère était une ancienne alcoolo. Pierre Sarkozy se lance dans le mannequinat. Daniel Craig a rompu ses fiançailles avec sa petite amie. La voix est libre. C'est bon ça. Ah, oh, il est pas très beau lui aussi. Ah, oh, il m'excite avec ses pecs. Il paraît que je lui ressemble un peu. Pas du tout. Patrick Fiori va jouer dans une pièce de théâtre. Non, bah alors là, c'est la fête à deux. Ouais, non, mais l'autre, allez, bah attends, encore. Mais la fête Notre-Dame de Paris. Mais c'est ça, qui chante. Bon, alors. Cheryl Cole, sublime, a lâché un petit rototo à l'antenne lors de l'émission X-Factor de ce week-end. C'était très mignon. Elle l'a ravalé, tu vois. C'était très. Mais oui, Cheryl. Chic. Christina Aguilera est tellement fan de Cher qu'elle, je cite, pourrait boire l'eau de son bain. Jean-Luc Delarue est sorti de cure de désintox. Le prochain album de Gorillaz a été intégralement enregistré sur un iPad. Quoi? Non mais rien, vas-y, continue. Qu'est-ce que tu viens de dire, Mélanie? Et vous êtes complètement taré ou quoi? Depuis le début de cette émission, vous riez pour un oui, pour un non. Bon, allez, c'est tout. C'est l'euphorie d'être avec toi ce soir, Mélanie. Ouais, ou pas, hein. On croit qu'être star, c'est trop bien, mais c'est pas tous les jours facile. Par exemple, un truc aussi bête qu'aller se faire épiler la touffe, eh ben, ça peut devenir hyper problématique et surtout, ça demande beaucoup de préparation. Rihanna en a fait les frais ce week-end, alors d'habitude, Riri choisit une esthéticienne de plus de 50 ans, russe et ne parlant pas l'anglais, comme ça, elle est quasi sûre que la nana la reconnaîtra pas. Sauf que ce week-end, urgence, urgence, Riri devait voir son mec, elle avait la touffe poilue. Ah merde. Donc, crac, il faut rentrer dans le premier salon et se faire épiler. Et donc, je te dis pas la haine de la Rihanna, les pattes écartées en train de se faire épiler les lèvres. Et la nana américaine, 25 ans, complètement fan, qui en lui arrachant sauvagement des bandes de cire, t'es en train de lui dire oh, je vous adore, oh, schlac, je regarde tous vos clips, schlac, en plein dans sa touffe. Quoi. Horrible. C'est pas tous les jours facile, go esthéticienne privée, j'ai envie de te dire, Riri. Bien sûr. Super. J'aurais bien voulu faire un esthéticien rien que pour ça, quoi. Ouais, ça. Esthéticien. 2 ans de prison pour Aretha Wilson, 40 ans pour avoir agressé Leonardo DiCaprio. 2 ans hein, de prison. Ça se passe en 2005 lors d'une fête donnée à Los Angeles. Aretha voit Leonardo DiCaprio au loin et tout d'un coup elle pète un câble, elle va vers lui, elle commence à l'insulter. Grosso modo elle lui en veut parce qu'il est trop beau et qu'il du coup plaît à trop de femmes et donc elle est jalouse. Ouais, un peu taré. Elle va jusqu'au bout puisqu'elle lui balance un verre à la tronche. Le Léo se retrouve défiguré avec le visage lacéré, 17 points de suture. Ah oui, c'est sauvage. Donc la meuf, elle s'est réfugiée au Canada. Finalement, elle a été extradée puis emprisonnée. Et là, le jugement définitif tombera le 22 novembre prochain. Mais c'est ce qui lui pend au nez 2 ans de tôle. Bah attends, ça mérite. Mais on l'a pas vu avec sa cicatrice, le Léo aussi. Ah mais tu sais, dans ces cas-là, on est enfermé en clinique privée, on te prend de la peau de fesse, on te la met sur la gueule. Peut-être que bientôt il va faire un film qui s'appelle La Cicatrice. Okay. Merci Jeff. Mais je t'interdis de parler de pendant la Minute People, sérieusement. On peut faire une promo avec ça, s'il vous plaît. Et ça tuerait en plus, hein, La Cicatrice. Ouais, tu vois, super. Genre, The Cicatrice. Merci Jeff. Alors, lundi 6 décembre aura lieu la cérémonie des Gérards de la télé qui récompense le pire de la télé. Alors, il y a plusieurs catégories. Pour chaque catégorie, plusieurs nominés. Je ne vous les fais pas toutes, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont super rigolotes. Qui a gagné? Non, on le sait pas, on le saura lundi 6 décembre. Oh pour l'instant, je vous donne quelques nominés et vous allez voir qu'ils sont très bien choisis. Vas-y, fais péter. Gérard de l'Arriviste, qui serait prêt à vendre les organes de ses enfants en échange d'une émission. N'importe quoi, n'importe où, mais une émission. Tenez, voilà un rein. Je vous fais les deux pour un prime time. Qui? Le nom de la catégorie, c'est toujours long. Hein. Qui ça pourrait être? De Chavannes? Il y a Faustine Bollard dans Dilemme. Ah oui, très bon, très bon choix. Alexis Alaroche-Joubert dans Chaps and the City. Absolument. Elsa Fayer dans Qui veut épouser mon fils? Eric Nolot dans Sa balance à Paris. Ah ouais, lui. Moi je vote. Je sens Nolo. Très bien parti Eric Nolot. Ah, je vote Elsa Fayer moi. Hein. Ah, je vote Nolot.
Zafayer, prends ça. Alors celle-ci, à mon avis, ça va vous parler. Je vous fais que celle-ci parce qu'après c'est trop long. Gérard de la pub, tellement stressante qu'elle te donne envie de débrancher ta télé, renoncer à la société de consommation et aller t'entraîner dans un camp d'Al-Qaïda au Yémen. La pub de René Latope ? Non, il n'y a pas, tiens, celle-là. La pub Silhouette Active de Cordier avec la vieille qui fait un foie avec son pied noir. Vous avez la brique rouge pour manger moins de boulettes? C'est horrible ça. C'est ah oui, c'est vrai, non, c'est pas dur, à force de l'entendre, c'est la fin de la vérité si je mens. C'est vrai qu'elle est pétée, la pub. Elle est pétée. La pub Optique 2000 avec Johnny qui gueule. Optique 2000. On n'en peut plus. La pub Groupama avec Cerise. Ah oui, c'est Cerise de Groupama. Celle-là, je pourrais. Non, celle-là, je pourrais les brûler. Tu peux fracasser. Avec la prof de maths. Je crois que c'est ça. Ah putain, c'est Cerise. Et le gamin idiot, tu sais. Ah oui, je veux. Viens les cours de maths. La pub MMA et son slogan zéro tracas, zéro blabla. Moi, je vote pour MMA. Ça. Tu sais, il paraît que Princesse Erika se fait des couilles en or grâce à cette pub. Ah oui, parce sûrement. Que c'est une musique qui d'elle. Voilà. Ah ouais, elle a des couilles maintenant, Princesse Erika. Bon, sinon, il y avait Carglass et Orange. Vous m'avez. Sinon quoi saoulé. Sinon quoi extra. Carglass et Orange avec le conseiller clientèle Orange. Où ils parlent tous en même temps. Tu sais, vous faites quoi? Moi, pas du tout. C'est en un d'un côté, en fait, il est banquier. Ah côté, oui, oh là là, oui. MinutePeople.fr pour te retrouver. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, j'ai appris que tu n'y allais pas régulièrement sur ce site et qui je suis très fâchée. Je le sais de source sûre. On a tous balancé. C'est Jeff qui me l'a dit et je peux te dire que je suis très, très énervée contre toi. C'est Jeff qui était dans le bureau, il t'a entendu et m'a tout répété. Alors, attention. Ok, donc puisqu'on est en train de m'attaquer sur le fait que. Ça me fait beaucoup de peine, tu as beaucoup changé depuis ce week-end. D'accord, c'est pas bien. Est-ce que je peux dire un truc? Ok, parce que là, l'instant est grave. Non, on arrête tout. Voilà. Alors, qui a déposé un commentaire ce week-end sur ton site minutepeople.fr? T'as mis quoi Ah bah tu verras. Je peux le reconnaître, t'as signé le bouton. Oui, j'ai marqué Karel. Ok, donc tu vérifies tes informations et tes sources, parce que moi je suis peut-être le seul de cette équipe à mettre des commentaires sur ton c'est site. C'est Jeff qui m'a dit que t'avais dit ça. Ouais, mais Jeff fait des bulles, hein, je suis désolé. C'est hein. Très très moche. Je te balance. Je suis pas une balance moi, attends. En attendant, moi je mets des commentaires. Je te fais t'as missionné faire Happy Birthday. Joyeux anniversaire, Jennifer. Bon anniversaire. Je m'en vais tout de suite regarder les informations parce que sur minutepeople.fr, comme je vais régulièrement sur le site, j'ai vu qu'il y avait des coulisses du clip de Kesha. C'était il y a 4 jours, ça. Hein. Oui, peut-être, mais moi j'y suis allé et je le sais. Et on va écouter Kesha, qui est l'artiste préférée de Mélanie. Non, c'est parce que Mélanie, je vais tout le temps sur ton site et je suis très déçu.